C'est deux remparts hein, pour l'instant sur le parquet. Tous les tirs sont contestés. Ouais, par oui, contre là, il a fait des différences, le deuxième meilleur passeur du championnat. Bourque n'y arrive pas. On va revoir la fixation. Il est vide de joueurs et il n'y a plus personne pour empêcher Kelly de marquer. Ouais, mais Maxime Ross qui se livre un peu trop sur cette action. Il n'a pas besoin de... Caris qui vient de faire des différences de décalage. La force de Maxime Ross, c'est le tir extérieur. À 3 points pour égaliser. Et c'est un ballon conservé malgré tout. Harris, le step back devant Holston, c'est payant devant son coach. CJ Harris redonne un petit point d'avance qui a l'avantage à 6 secondes de la fin de ce premier quart-temps. Harris qui va travailler en isolation, qui va jouer le jeune homme. Le tir flamboyant au buzzer. Éloigné des terrains pendant un moment. Le retour important pour CJ Harris, plein de sang-froid prêt sur ce tir. Ouais, c'est ce que j'ai juste en train de regarder la musique là. Williams, bonne lecture. Pelos, un deuxième tir extérieur. Il est dangereux, ce garçon est dangereux. 4 secondes, obligé de faire une passe. Il y aura très peu de temps pour déclencher. Et c'est efficace, il est. Mais c'est pas Robin, c'est Batman. C'est Batman ce mec. Robin du côté. Ah si, comment ça? Robin du côté. Carrington non, du non, côté. Pas encore. À 3 points, il était limite. Et joli dunk. Quelle puissance dégagée par R. Kelly. Et Kelly qui choisit Gavin Ware. Regardez la force. Waouh, c'est colossal là ce qu'il vient d'envoyer. Axel Julien, 7 secondes. Il a essayé d'ouvrir les portes, mais il s'est fait choper par du côté qui va au dunk. Il sait tout faire du côté. Et bien dunk, évidemment, il prend des shoots à 3 points. Des adversaires, c'est Robin Desbois. Hein. Regarde. Agressivité de Maxime Courbis qui est monté très très haut. Holston, il a passé son vis-à-vis. Et la sirène qui valide ce tir pour Gavin Ware qui décidément... C'est Julien. La bonne défense, regardez comment ça sort. Quelle aide, quelle aide. Oh, il n'y a rien, il n'y a absolument rien des arbitres. Énorme contre d'Alinguet. Et ça mange du cercle derrière. Pelos avait un avantage, hein. Il avait largement les devants. Soirée des records alors. Soirée record pour Dijon même si c'est son deuxième match. Bah, c'est hein, ce c'est... en deux matchs et ça compte logique. Axel Julien qui dit pas son dernier mot. Voilà, c'est ça la réponse qu'il faut apporter. On est dans le money, money time. Julien, le money time, Harris vous a entendu. Et ils ont bien entendu, oui. Harris dans le corner. Ça devrait être un tir pour tenter d'arracher une prolongation à Equinox. Souleymane qui se lève. Souleymane qui réussit directement sur un step back. Mais quel shoot ! Train qui vient de se relancer. Incroyable situation. Le step back sur la tête de Carrington. Non, tout est incroyable parce qu'il... Et s'il vous plaît, Carrington, 3 secondes. Le dernier tir pour la JDR Dijon. Prolongation. Et bien voilà, on a gagné 5 minutes. On c'est a dingue. Gagné 5 minutes dans ce match de folie. Quelle énergie pour Dijon qui oh, jette le ballon. C'est fou, il était par terre. Mais il était au sol, Carrington. Dijon, nouvelle chance. 2 points d'avance. Carrington, c'est lui qui a scoré à terre. Oh, c'est lui qui score shoot. En l'air. Il est énorme. L'énorme shoot qu'il met sur Soleimane. Et vous n'avez pas mon âge, imaginez. Holston qui glisse un peu, mais qui arrive à filocher. Oh là là. Il est diabolique, le lutin. Holston qui vient de scorer. Mais il va garder le ballon, activité. Il va garder le ballon. Regardez, c'est lui qui se remue encore une fois. Et la glace dans les veines coule. Carrington, 21 points dans son record personnel. Williams ne dit c'est pas fini. David Holston qui remonte le ballon. Et ballon volé. Ballon volé, c'est pas fini. Axel Julien qui prend sa chance à 3 points. Ce match est dingo. Ce match n'est jamais fini. David Holston qui perd la balle. Julien qui n'est pas mort. La JDA Dijon remporte son premier match à l'extérieur de la saison en Betclic Elite. 3e victoire consécutive, toute compétition confondue.